Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Strike, et oui comme vous le voyez, nous sommes dans un endroit différent, du moins il n'y a pas le fond vert, et oui parce que j'ai déménagé tout simplement, et je suis en train de refaire l'organisation comme vous pouvez voir derrière, la télé, etc. Et donc du coup pour le moment je ne mets pas le fond vert tout simplement, et surtout aussi parce que là aujourd'hui on va pas du tout faire une vidéo de gaming, on va faire une vidéo un peu différente, voilà. C'est simple, je traînais sur le web dernièrement, et je suis tombé sur un truc plutôt intéressant. C'est un site où, sur lequel il y a des photos, et sur lequel on doit dire si ça a été photoshopé ou pas photoshopé. Donc on va commencer tout de suite, start. Ok, on commence avec un iguane. Non, pas un iguane, comment on appelle ça déjà? Un caméléon, voilà, c'est ça. Donc comme on peut voir, il est vraiment minuscule. Je sais pas si ça existe des petits comme ça, mais par contre l'incrustation ne m'a pas l'air dégueulasse. La vidéo qui part en couille. Le micro tombe, l'écran s'est arrêté, c'est sympa. Tu démarres. Allez, démarre. Ok, ça m'a l'air cool, on est revenu, très bien. Donc comme je disais, ça m'a pas l'air d'être fake, tout simplement parce que sinon l'incrustation est vachement bien foutue. Donc on va dire que c'est bon. Et c'est en effet correct, ok. Donc là on a des vaches, ok, pour le moment, tout ce qui est par là ça va, mais alors là, l'incrustation est dégueulasse parce que les proportions sont pas du tout respectées. On dirait qu'elles font la même taille, mais elles sont pas sur le même plan, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, je pense que c'est fake. Et j'avais raison, voilà, bah, c'était bien ça, c'était parfaitement la vache. Ok, un aigle royal qui représente les Américains. Les Real State of America, voilà, pas du tout. Ouais, ok, bon bah moi là je vois pas de problème, enfin c'est vachement bien fait, mais la photo est super belle, mais c'est tout. Voilà, c'est correct, j'avais raison. Là on a un truc, ça ressemble un peu à Monument Valley, ou du moins un truc du genre. Ouais, j'y suis allé, voilà, attends. Ah, on n'est pas tous riches, hein. Donc moi, pour moi, ça m'a l'air réel, il n'y a pas eu l'air d'avoir d'incrustation ou je ne sais quoi, vas-y, on va faire réel. Voilà, j'avais raison. Ok, un ours polaire avec un poisson dans la main qui est vraiment dégueulasse. L'agriculture est ultra ratée, ça se voit. Je veux dire, c'est super mal détouré juste là. Et puis même, je sais pas, il y a un truc qui fait fake, c'est genre la couleur, je pense. La couleur du poisson, elle fait un peu fake. Donc on va dire fake, et nous avions raison. Voilà, j'avais dit. Ok, donc là, à nouveau, nous sommes à San Francisco. Je suis déjà allé là-bas aussi. Voilà, merci. Le mec qui s'envoie trop des fleurs, quoi. Putain, aujourd'hui, je dis de la merde, en plus. En bref, donc, du coup, c'est le quoi? Comment il s'appelle, ce pont? Putain, le mec, il y est allé, mais il sait même pas, quoi. Mais oui, bien évidemment, c'est le Golden Gate. Je suis pas du tout allé voir sur... Non, mais monte pas ça. Non, mais... Oh, bon, ok, j'ai un peu triché, mais je me souvenais pas. Et en plus, j'ai écrit San Francisco avec un T. C'est le drame, la deuxième fois que l'écran s'arrête. Tu t'allumes? Il s'est allumé, ça va, il s'est allumé, ça y est, il s'est allumé. Donc pour moi, c'est totalement fake, parce que y a cet avion, qui est à chaîne bizarre. Donc je dirais que c'est fake. Et j'avais raison, un hibou, ok, pris de très près, je pense avec une très longue focale. Oui, je sors ma science de la vidéo, mais que voulez-vous, je fais mes études là-dedans, c'est tout. Aujourd'hui, c'est la vidéo du lançage de fleurs, tu sais. Donc pour moi, c'est pas du tout fake, je pense qu'elle est bien réelle, cette photo, et voilà, j'avais encore raison. Un paon, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Par contre, il est genre un peu dégueulasse au niveau de la tête. Ça fait un peu fake, surtout au niveau de la tête. Mais sinon, à part ça, ça m'a l'air correct. Je vais quand même dire fake. Ah, j'avais tort! Dommage. Mon œil n'est pas si aiguisé que cela. Alors, une baleine avec un oiseau. Pour le coup, l'oiseau est vraiment dégueulasse. En fait, la photo m'a l'air bien prise. Et puis là, ça a l'air d'être pixelisé, genre. Donc encore une fois, je vais dire faux. Et oui, j'avais raison, c'était l'oiseau. Un chien qui a un œil plutôt bizarre. Mais à part ça, tout me semble correct. Ça me semble bien, enfin, je sais pas. Oui, ça va, c'est bon. Pour le moment, ce que je vois, c'est plutôt une sur deux. Donc si on suit ce schéma, ça voudrait dire que celle-là, elle doit être fausse. Pardon. Mais je ne vois pas où serait l'incrustation. Quoique, à la limite, les lignes là sont un peu bizarres. Mais pour le moment, non. La symétrie, elle est quasi parfaite, mais ça revient à faire un bâtiment normal, en fait, au final. Donc je veux dire que c'est vrai.
Ah oh, waouh, j'avais même pas vu les gens. J'avais même pas vu les gens. Vous les aviez vus, vous? Ou alors ils les ont enlevés, justement. Alors là, par contre, on est sur du photoshopage niveau 10 000, tu vois. Parce que le cochon est de type dégueulasse. Ou alors c'est la qualité de la photo, je ne sais pas. Quoique, il y a des petits arcs dégueulasses qui se sont créés là. Et la photo est ultra pixelisée. Mais on va dire fake quand même. Par contre, on est sur du photoshopage niveau 10 000, tu vois. Non. Putain, c'était vrai! Je suis nul. On a une route, la route 66, ou un truc du genre. La photo est penchée, bon ça va. On a un fond, ouais, ok. Le fond m'a l'air vachement penché quand même par rapport à comment est prise la photo. On va dire fake. Et bah putain, c'était pas du tout ça, mais c'était fake quand même, parce qu'en fait tout a été retouché, la colorimétrie, etc. Mais voilà, ça n'avait rien à voir. Bon, pour moi ça c'est purement juste. Mais je sens que je vais me faire avoir encore une fois. Cette montgolfière m'a l'air bien. Mais comment tu veux que je sache ça? Mais sérieux quoi? C'était pas si mal intégré. Il y a des Photoshop qui pour le coup sont bien foutus. Un raton laveur, très bien. Dans un arbre. Eh bien je dirais que c'est vrai. Eh bien j'avais raison. Eh bien nous avons fait 11 sur 15. 73% c'est pas top. C'est vraiment pas top. On va recommencer pour voir s'il y a d'autres photos. Ah! Merde! Ce sont les mêmes photos en fait. Waouh, waouh. Alors ça, on est sur du Photoshop de qualité, moi je dis. On est sur du Photoshop de qualité. Il y a des gens, ils ont fait des trucs. Regarde ça. Ça passe de ça à ça, mais le mec, déjà pour avoir cette idée, il faut avoir un délire, mon gars. Bon, du coup, cette vidéo va s'arrêter là. J'avoue, elle était un peu courte, mais bon, je suis en période d'examen en ce moment. En plus, dans l'audiovisuel, on peut voir que je suis très fort pour décrypter les images, j'ai fait 71%, ce qui est totalement de la merde, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Strike. Allez, salut!